Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Resident Evil Code Veronica live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Oh non! Ça règle le problème. Mémo sur un mot passe. La porte à 4 chiffres. Le mot de passe est oublié sur une photo. Ça va vite. Et une photo. The picture in the back. On peut pas voir le numéro par rapport à là.
Contamination detected. Level 3. Emergency shutters will close. All personnel evacuate immediately. That was close. Oh. Thank you.
pas. Ah, des flèches. D'autres flèches. D'autres flèches. Ça n'a rien pratiquement derrière, à part ramasser beaucoup de balles. Je pense qu'on va aller faire une couple de petites choses pour boss. Ah non, si je vais par là, je sais que ça va arriver aussi. Ah non, il y a quelque chose en... Il y a une affaire de sauvegarde du son, je pense. Je vais tuer là parce que tu vas être con.
quasiment été labo pour rien, toi. Area you are in, a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Je pense que je vais amener la carte. Je pense mais que je monte en haut. Je vais avoir de la carte pour retourner ce côté-là. Voilà. Thank you.
Salut Chili. Comment tu vas, ma belle? Tranquille, ça va tranquille. Qu'est-ce que t'as fait de bon aujourd'hui? T'es marché, courir, jogger? Pas comme Joël Legendre dans des parcs? Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Mon héros. De nommer Steve. Steve, mon héros. Oh yeah, that felt good. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish, but thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here, take these. Machine guns? For me? You know the deal, in exchange for your Lugers. Okay, okay. This thing is too cool. Yes! Now this is my kind of weapon. All right! Huh? Hey, this thing's empty. You cheated me. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. Salut, El Capone. All right, all right. Ow! My back. You're heavier than you look. Hurry up. Happy now? Happy hop, happy happy hop, happy hop, happy happy hop. Now that your knight has made his appearance, moi j'ai toujours aimé les Resident Evil depuis que j'avais 14 ans. Ou 13 ans, je sais plus. 14. Ça fait plus de 25 ans que j'aime les Resident Evil. Let's do it! Wait here, Claire! C'est une job d'homme, ça, Claire. Je vais aller essayer mes nouveaux jouets. C'est ça que Chili a dit hier soir avant de se coucher. Je vais aller tester mes nouveaux jouets. Oh, shit.
T'aimes pas ça, les Resident Evil? It was dirty work, but this area is now clean. See? You can depend on me. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve. Tu vas pas bien, Steve. What were you doing here? Mon cerveau va pas bien, Steve. Who brought you here and where is your family? Je fais penser à Al Capone du 68. Steve. Never mind. Let's get going. Je sais où on est. Mais je veux. Ah non, c'est vrai, je suis obligé de le suivre. Hein. Game is over. T'es là, Chili, ou t'es parti? Claire, are you okay? Es-tu correct, Claire? Steve, behind you. Steve, derrière toi. Non. Non. Est-ce qu'il va pas, Steve? Tire-le! Je peux pas, je peux pas! Non! Steve! Oh non, Steve, il s'en vient vers moi! Dad used to work for Umbrella. Tried to steal information, intending to sell it off to the highest bidder.
was caught. Mom was killed. We were sent here. Oh, Steve. Mon petit Steve. He's a fool to do something so reckless. So stupid. Pleure, ça me fait triste, c'est triste. Okay, s'il faut la carte bleue, ouais, là. La carte bleue qu'on a trappe ici, de toute façon. Non. On va aller chez les balles. On n'était pas obligé. Ouais. On va un peu là pour rien en fait.
On va vraiment là pour rien. Juste pour des balles qu'on va pouvoir ramasser tantôt. Ça en vaut pas le coup. What's up, Spazzy? Plus de chien.
Ouais, mais nous, ça déjà. C'est vrai que je pourrais aller là faire de quoi. Je pourrais au moins débarrer la porte, ça pourrait me servir éventuellement. Là, il y a des grenades là. Bah, je les oublie. Ok. Faut juste pas l'oublier, c'est important. Les cartes qu'il fallait là, là si je veux. Là on peut plus y aller. Là, je peux enlever la silver card qui me sert à rien pour un bout.
Je me demande s'il ne faudrait pas sauvegarder et pas aller là. Ah ouais, non, je peux faire ça après. Je vais réaliser, j'ai une couple de petites choses à faire. On va aller dans l'étage du haut. Breaker mais fail du tout. Salut yo yo yo, puis ça marche plus un peu. Moyen. Ça marche moyen jusqu'à présent. Hein. Ça va marcher, tu viens même pas. Yo, le micro est pas fort, tu dis? Bizarre. Non, c'est pas là que je pense à aller. Puis, tu es en congé aujourd'hui? Là, tu travailles? Ouais, j'avais commencé Resident Evil, j'avais joué comme 4 heures, puis là je me suis aperçu que j'avais fait une erreur, là, puis ça me ralentissait dans mon jeu. Fait genre commencer du début. J'ai commencé hier, puis là je suis rendu à ma deuxième heure aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux. Fallait que je rentrais dans une porte à un moment donné, puis j'ai été dans l'eau. Ça m'a compliqué les choses parce que j'avais pas le crossbow. Fait, j'avais comme 200 balles de crossbow, mais pas de crossbow. Fait, ça me perd. Probablement, je pouvais y retourner plus tard, mais ça me ralentissait au niveau des balles. C'est la porte se fermait, puis là tu pouvais plus l'ouvrir. Je sais qu'il faut que je peux y retourner plus tard, j'ai pas le choix parce que c'est là qu'est le cadre, mais. Ça me ralentit. J'avais plus de balles, puis j'avais. C'est ça, avec le crossbow c'est beaucoup plus facile. Il y a des choses aussi, j'avais pas remarqué. Quand il y a des chauves-souris, tu ouvres ton briquet, fait que t'as. En ouvrant ton briquet, ça te permet de. Les chauves-souris t'attaquent pas. Fait j'ai sauvé des. Juste là, je sauve des balles à la tonne.
Au moins 30-40 balles, ça va à peine de... Juste ça, là. Ça fait une différence. Hein. Et Claire, ouais, ben ça c'est son nom à elle, Claire, justement. Claire Redfield. Ah, oh, j'avais pas marqué qu'il y avait une switch là. Oh, je suis con. Oh, je suis con. Prendre ça en 1, 2, 6 au cas où. Regarde-moi. Oh, ça c'était pas fort, ça, j'avais complètement oublié ce bout-là, j'avais pas vu l'écran. J'allais tourner en ralentant. Ah, j'ai oublié. Autant. Réveille-toi. Tu es au travail en heure de dîner ou tu travailles plus tard? Je fais les balles de bazooka avant que je les oublie. Je peux-tu l'enlever ça?
Ah, c'est les balles de bazooka. Que je voulais aller. Ah ouais. Je pense que c'est 1-1-2-6. On va vérifier au cas où. Effectivement. Oh, des bazookas.
Encore blessé, putain, mais il m'a touché pour. Ouais, il m'a touché plus qu'il fallait. Mais... Je vais aller enlever une coupe d'affaires, bon, c'est pas là où je voulais aller, mais. Ah, c'est là où je suis rendu là. Ma petite Manitoku, viens par là que je t'explique. On va voir Américo, tu vas courir ton ami. Viendra au Kiploglo. Ça, c'est au milieu là-bas en haut, mais... Ah, c'est au milieu. Ok, non, c'est là. Ok. Il faut que je retourne non, plus bas, là. Je comprends. Au deuxième, il faut que je tue les deux zombies. Au premier, plutôt. Il faut que je tue les deux zombies, là. Moi, je tue pas les deux zombies à mauvaise place. Thank you.
Quel lockpick vos chevaux là? On va aller sauvegarder, changer de jeu. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Resident Evil Code Veronica live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!